贵重。Please be seated. Veuillez vous asseoir. Ông nhầm đẹp bà cà mà to. Reprise the court is now in session. The floor will be given to defense counsel for Mr. Nguyen-Chi to continue questioning this witness. Pour la suite de l'interrogatoire du témoin. However, before we proceed with the defense question, the chamber would like to ask Cassius Bao, please. La chambre demande. Monsieur Maître Parvey, veuillez vous lever. Counsel, the articles that you referred to, the one that was written by l'article de Steve Hedder auquel vous avez fait référence. Before we broke, could you tell the court whether that document dire à la chambre, is in the case file? C'est l'article que vous avez cité. Est au dossier whether it is in any list of the proposed documents, de documents proposés any par les parties. Parties, and what is the title of that document? Et quel est le titre de l'article en question? Thank you, Mr. President. The Steve Hedder article is on the shared material drive. Il est sur cet article est sur le disque partagé. Could have provided you with the ERN j'aurais pu vous donner numbers, ERN. But one of your legal officers mais came earlier and de vos juristes I est venu seem to now have misplaced it after I discussed the document with her. But the document is called, if I speak from my mind, reassessing the role of the senior leaders of democratic Kampuchea. And perhaps I can, I would be able to, after this donc, peut-être court session, après l'audience d'aujourd'hui, je provide you with the exact ERNs. And we have submitted it as part of an earlier application, so it should also have an E document number as part of that application. But I am, again, not be able to provide you with that at this point in time. Again, we simply referenced it because it's in the public domain and it's relevant to the current proceedings, so we don't want to rely on it in any way, shape or form apart from impeaching this witness. I hope this information suffices. Attester la crédibilité du témoin. J'espère que cette information vous suffit. No, I don't know. The President. Mr. Cassius Bao, you haven't answered my question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Is the document on the case file le document of case 002? Dossier pénal numéro 2. Or is it in any list of documents proposed by any parties? This is my question. Voilà la question que je vous ai posée. You should have answered my question straightforward. I was under the impression that I was answering your question straightforward, Your Honor. This document is on the shared material drive where it can be found. We have relied upon it in the past. And as far as I know, well, let me phrase this way. I do not know if it's on any document list submitted by the other parties. Thank you. Now, International Co-Prosecutor, you may proceed. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I can't tell you for sure because the counsel hasn't provided us with exact information, but there is at least excerpts of what I think is this article, an article by Steve Hedder, entitled Reassessing the Role of Senior Leaders and Local Officers, or Local Officials in Democratic Kampuchea Crimes, that was included on our annex, que nous avions and is in the case file is D366/7.1.828. What I can't tell for sure is whether the entire article is included in the case file or just portions, but I can confirm that portions at least of this article are on the case file and were on our list.
et était aussi sur notre liste de documents proposés. President, thank you for information from merci the co-prosecutor. L'accusation pour ces détails. Maître Pao. The chamber reminds you once again. La chambre. As the chamber vous rappelle. Has been reminding your defense team. De plus, la chambre a d'ailleurs rappelé à votre équipe de défense à maintes reprises. You should follow the instructions. Que vous devez suivre les instructions the requests qui ont déjà été données. To documents quand vous faites référence à des documents to confront que vous entendez witnesses utiliser, or civil parties, counsel should first indicate whether the document has been put before the chamber or whether the document can be found in the list of the proposed document of any party. List, documents proposés par les parties. Secondly, deuxième counsel point. Should identify vous devez identifier the document number, document the title of the document, son numéro, sa cote, son titre, EAN numbers et l'ERN two or three dans languages. Deux ou trois des langues de travail. Les ERN, c'est-à-dire des pages dans other deux ou trois des langues de travail du tribunal. Following this instruction properly, les parties se sont doing this for conformées more à ces instructions. Cela fait plus de 70 jours que nous so fonctionnons de cette façon. We should not have any problem of this kind. Donc, and you are reminded ce type de situation to ne devrait pas follow such survenir. Instructions. You may now proceed with your questions. Les instructions vous pouvez maintenant poursuivre votre interrogatoire. Mr. President, just asking for a clarification. Am I to understand that you are not allowed to précision, quote from scholarly articles that, are, that can be found in the public domain without wanting to rely on them for any evidentiary purposes? This is again a scholarly article by a well-respected scholar that has worked for the OCIJ and for the OCP. I can access this document in any library that has this particular book, and I'm not sure why we should not be allowed to at least refer to this document in statements. I didn't show the document to the witness. Non, je n'ai pas I'm just conveying information that is out there in the public domain, domain public and that is relevant to this witness. Plus, if we're not even allowed to do that, it becomes pas du tout a somewhat si nous surreal pas cela, exercise, c'est un exercice and I would like absurde. Some guidance on this issue. Avoir and I remind you that, again, we have already referenced this document during the questioning of an earlier witness and that proved to be no problem whatsoever, so that problème. Practice that you reference of 70 days of following this procedure is at least not very consistent. So some guidance on this issue would be appreciated, and I do donc think that if we are not even allowed to quote scholarly si works même pas citer that are available in the public domain, dans le domaine public, there's not much role left for any defense team here. Cela viendra limiter I would like some le rôle de n'importe quelle équipe de défense. Donc j'aimerais obtenir quelques directions, directives de votre part. Yes, international co-prosecutor, you may proceed. Le président, la parole est à l'accusation. Yes, Mr. President, I'd like to quickly respond to that. I find that comment inappropriate, given that he was allowed to use this. The point here is one of notice. It's of notifying the parties in advance of the documents that are intended to be used. Counsel should have informed the parties of the identity of the document he was using so we all could review that ahead of time. Furthermore, while I have no problem with counsel making references to this analysis, I failed to see why it was necessary in questioning this witness. This witness is not a scholar on this subject. It would have been simply sufficient for him to ask the question who had authority to order arrests and executions, district level, sector level, or the center. So I fail to see how counsel has in any way been obstructed from conducting an examination. This is simply a matter of him providing notice to the parties of the documents he intends to use. Quel document il entend utiliser.
Mr. President, if I may briefly respond, if that's the only issue as far as the prosecution is concerned, we agree. If we would be more than willing to provide adequate notice of documents such as the one I used before, if we are actually allowed to use them to ask to ask this witness questions relating to that document. So I think there's no disagreement between the prosecution and us. But I understood you were willing to mean something else, and that is that in the future we will not be allowed to use documents such as this one. If that's the case, I think my request for guidance stands. So it's in your hands. The President. I now hand over to Judge Laverne. Je vais laisser la parole, Juge Laverne. To address the matter raised by Defense Counsel for Mr. Nguyen. Traiter de cette question. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que tout d'abord, à titre liminaire, la Chambre tient à faire observer qu'il est extrêmement dommage d'avoir à passer autant de temps à rappeler des règles qui s'appliquent à tous ici. Le fait qu'on entende se servir de documents au cours des débats suppose que ce document soit produit au débat. Would entail that the document is admitted into the proceedings. Pris des décisions, passé du temps pour les expliquer. Ces décisions s'appliquent à tous. La défense de Nguyen ne fait pas exception à la règle. Donc, je crois qu'il est temps que vous réalisiez que vous devez suivre les règles qui ont été indiquées par la Chambre. By the rules maintenant that have been made explicit un document by the chamber. Fasse partie du domaine public, now, with respect qu'il to documents that fall within the public universitaire, realm, par un chercheur, written by a university researcher or scholar may contain interesting information, de suivre les règles. But that does not make such a document exempt from the rules. Et je pense que toutes les parties ici souhaitent être informées à l'avance des documents all parties would want sont, to be informed de base in advance pour, of documents that serve as a basis donc, for questioning of a minimum. Witness. This is a minimum. Ensuite, c'est à la Chambre d'apprécier si éventuellement s'il s'agit d'un document nouveau, si ce document peut être effectivement versé au débat ou non. Pour cela, il faut que nous puissions apprécier si c'est un document qui effectivement est pertinent, s'il va servir à établir la vérité ou non. Et nous vous demandons de faire un minimum d'efforts et de préparation pour nous faciliter la tâche, plutôt que de devoir passer des heures ou des minutes, en tous les cas extrêmement précieuses, au cours des débats, à devoir traiter des problèmes qui n'ont pas lieu
de se poser à l'audience. Using much valuable time to be discussing such matters. I hope that this makes issues clear for all. The President, thank you, Judge Levin. Merci, Monsieur le Juge. And I would like to add that j'aimerais ajouter the documents that the parties have placed in the interface j'aimerais cannot ajouter be que used les documents interchangeably qui ont été versés à l'interface to fulfill internal rule 87.4. Rule 87.4 peuvent être interchangés pour se conformer à la règle 87.4. La règle 87.4 est la règle in the trial chamber qui régit la question regarding des documents. The information to be provided to relevant parties in advance is something that we should do in order to facilitate the procedure. Il faut fournir les informations à l'avance aux parties. That is to expedite cela the proceeding. D'avoir so I hope that parties are not mistaken. J'espère donc que with this. Les parties parties cannot bien. Understand it that parties have fulfilled the requirements when they place the documents la Chambre rappelle aux in parties qu'elles doivent s'acquitter de leurs responsabilités lorsqu'elles placent des documents instead, dans l'interface. Parties need to follow what et has been prescribed by internal rule 87.4 la règle alinéa 87 alinéa 4 internal rule 87.3 ainsi que l'alinéa regarding evidence. Ce sont là les règles de preuve. Counsel may continue his questioning now. Vous pouvez poursuivre votre interrogatoire, maître. Thank you, Mr. President, and I agree we are spending too much time on merci, these issues. Je suis d'accord que nous passons beaucoup trop de temps là-dessus. Revisit our arguments. I will just state for the record that if je we are in possession of exculpatory documents, si nous avons notre it is our duty as defense counsel à décharge, to try c'est notre to use that obligation. To impeach en tant a witness and we have no other choice. De nous en servir it is our duty as la crédibilité defense du témoin. And nous n'avons pas d'autre responsabilité que ma défense. I'll leave it at that for this moment et because I think indeed j'en resterai là. Continuing this hearing or this questioning of the witness is more important at this stage. Je pense qu'il est plus important de suivre, de poursuivre avec with your permission, Mr. President, I would like to continue and ask Mr. Sausroon a few more questions. I think I should be able to finish this before the end of today's hearing. And first of all, I would like to revisit one meeting that we discussed before the break because, as I indicated at the time, I thought there might be some confusion as to which meeting we speak about. So, Mr. Sausroon, I want to ask you a question about a meeting you had in Phnom Penh. Question à vous poser dans le propos d'une réunion à laquelle vous avez participé. And you have stated for the co-investigating judges in document E3/367, you have stated the following, and I quote, je cite, about 2 or 3 months after the death of Leng and Kampun, I received a telegram from Pol Pot calling the cadres to a meeting. In its contents, six cadres, including Ta Vieng, Ta Lork, Ta Kim, Ta Lan, Ta Sophia, and myself were called to go to a meeting in Phnom Penh. The one who received and decoded the telegram celui for me was Sun, who died after 1979. Le télégramme pour moi était Sun, qui est mort un peu après 79. Just to be absolutely sure, do you remember that meeting in donc, Phnom Penh, vous souvenez-vous Mr. Sausroon? Réunion, so the meeting that took place 2 to 3 months after Leng and Kampun were après, killed. Se corrige, l'interprète, après la mort de Kampung et de Leng. I
maintain what I told the investigating judges. J'ai dit au juge d'instruction et I have said au procureur. Clearly. Je l'ai dit clairement. Thank you. Maître Pao, je vous remercie. When you were asked about this meeting by the co-prosecutors, quand le procureur vous a posé une question sur cette réunion, day 71, which is last week, c'était la semaine dernière, on page 52 of the English transcript and page 43 of the Khmer transcript, page 43 de la version you Khmer, stated the following. Vous avez dit, prosecution asked you, enfin, l'accusation vous a demandé, and when you got to Phnom Penh, who did you meet with there? Penh, qui avez-vous rencontré? Your answer was, vous avez répondu, we met with que vous Pol, Pot. Rencontré Pol Pot. Prosecution then asked you, do you recall meeting with other leaders in addition to Pol Pot? En plus de Pol Pot? And your answer was, et vous avez I répondu, didn't meet with any other non, leaders. Je n'ai rencontré personne d'autre. Mr. Sao Sarun, do you today confirm the truthfulness of this statement? Confirmez-vous donc aujourd'hui, Monsieur le Témoin, la véracité de ce que vous avez dit. Le Président. The President, Monsieur Witness, le please Témoin, wait veuillez attendre avant de répondre. For the decision by the Chamber on the attendez la décision de la Chambre sur l'objection de la International Co-Prosecutor, you may proceed. De l'accusation, la parole est au procureur. Thank you, Mr. President. Our objection here is that counsel is, as he did before, somewhat misstating the evidence here as he is leaving out from what he has read the subsequent part of the transcript where the witnesses recollection was refreshed. Quand on rappelle au témoin, quand on lui rafraîchit la mémoire, et donc c'est en tronquant ainsi la transcription, c'est une fausse représentation des propos du témoin. En vérifiant la transcription, vous verrez que le témoin poursuit sa réponse par la suite. Mr. President, if I may respond, the prosecution is right that I is correct that I leave out the later part where the memory of the witness has been refreshed, but I don't think that's inappropriate. To the contrary, I think that's the essence of what we have to deal with today. We are trying to establish what the witness actually remembers, what the witness remembers today, what the witness remembered last week, and what the witness remembered 3 years ago or 4 years ago when these original statements were made. So it is particularly interesting to hear what the witness has to say in response to this question, simply because we cannot assume that his statements before the investigating judges tenir pour acquis que ces déclarations devant le juge d'instruction étaient les bonnes. We need to test, we need to verify il faut procéder à une vérification. These answers, how nous devons he came savoir to these comment il memories. A obtenu ces réponses, comment il a eu ces souvenirs. Et je pense qu'il est particulièrement important avec because ce this witness témoin, has demonstrated car ce témoin time and again a montré that he does plusieurs not reprises remember qu'il certain ne things. Se souvient he pas de has certaines choses. Contradictory il a statements fait des déclarations in his testimony over the last week au cours de la dernière that semaine. May be due to memory loss, that may ça be due à des pertes to de mémoire, other reasons ou we don't know, raisons, nous ne savons but it is important mais il est to important establish it for the record. De l'établir. What prosecution did last enfin, week ce was qu'a fait la semaine dernière, the same l'accusation methods. Était la même méthode. Prosecution asked time and again to have him simply confirm the truthfulness of earlier statements before the co-investigating judges. I am asking this witness moi, to confirm the truthfulness of the statements he made last week under oath before your trial chamber. It's in the records, he states, c'est dans I quote, il a dit, I did not cite, meet with any other leaders. Leaders. I did not make that up. It's in the records. Je n'ai pas inventé, so, c'est dans la transcription. Again, I would pour qu'une fois de plus, suggest that this question be allowed. Nous sommes de l'avis que cette question doit être autorisée. Le Président. You're not supposed to make any further reply. Vous n'avez pas à répliquer.
Le témoin n'a pas à répondre à la question posée par la défense de Nunchia. C'est juste une question répétitive. I'm not sure how it was repetitive. I remember the OCP asking about 17 times last over the past few weeks whether the statements he made before the co-investigating judges were truthful, even though he had stated at the beginning of his testimony that they were. The President, you are supposed to continue with another question. You are not allowed to use the time. Vous ne pouvez servir du temps de parole qui vous est donné pour faire des commentaires. Otherwise, the time is wasted. Si vous n'avez pas d'autres questions, veuillez en informer la Chambre de sorte à ce qu'elle puisse laisser la parole à une autre équipe de défense. Thank you, Mr. President. I will inform the Chamber as soon as I don't have any further questions. I do have further questions, and they relate to mes questions portent maintenant sur some telegrams that were sent by you, Mr. Sazerun. Or, I apologize. I will ask you certain questions about telegrams that have been discussed with you by the OCP. And the first telegram I would like to discuss with you is document number D201-5.3. English ERN is 003611189. And my ERN is 00020993. And with the permission of the President, I would like to show this document on the screen, and it's called Telegram 46. The President, you may proceed. Le président, allez-y. It is a telegram that has been discussed before, and it's addressed to two respected M870, and it relates to the incident with a boat that caught fire. Do you remember the telegram that we are speaking about, Mr. Sazerun? Response. Réponse. Yes. Oui. I already indicated oui, before the co-investigating judges, and I think that's all. A répondu au co-juge d'instruction, et je pense que c'est tout. This telegram question is written, dans and I quote, télégramme, the measures je cite, of the sector, il est indiqué les one, arrest the two men, du secteur. And two, un, arrest il faut arrêter ces contemptible, et deux, beyond, il faut arrêter according to the examination, there had been the assignment from Lyon, l'inspection, c'était lui and qui avait donné les ordres. It follows below that, et puis en dessous, carry out the arrest of these men today, on voit the 9th. Ce 9, on a exécuté. L'arrestation de tous ces gens. If I read this telegram, Mr. Sazerun, si je vous lis ce it seems Sazerun, that the sector itself à la lecture, had already decided il to arrest le secteur lui-même avait the two déjà men pris la décision without ces deux waiting hommes orders sans from attendre the des center. Ordres venant that du centre. Correct reading of the facts. Ma lecture des faits est-elle la bonne? Response. No, it isn't. Non, non, ça n'est pas la bonne. I didn't say anything like that. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit de la sorte. Thank you. I look at the clock and I la défense, will je vous remercie. Move on to je vois l'heure qui tourne. Je vais telegram, passer au which is telegram. Telegram. Suivant, 54, il s'agit du télégramme 54 like screen, with your permission, Mr. President, que j'aimerais afficher English à l'écran avec votre permission. Il s'agit de l'URN anglais 00-29-72-20-00-12-7-027.
This telegram, Mr. Sahun, relates to Comrade Sott. We have discussed, or the prosecution has discussed this telegram with you. The issue of the situation inside the party. Comrade Sott, chairman of the repair factory, has committed immoral acts with a woman. Now, the arrests have been made. Both the man and the woman have been arrested. Mr. Sahun, if I read this telegram, it suggests that the lower level had the authority to arrest persons for minor infractions. Is that correct? En cas d'infraction mineure. Est-ce exact? Response. No, it isn't. Non, ce n'est pas exact. With regard en ce qui concerne the person by the name of Sott, I la personne connue sous le nom de Sott, j'ai déjà clairement indiqué the co-prosecutors yesterday. Devant les coprocureurs hier quelle était la situation. I am almost finished with my part of je suis presque your questioning, Mr. Sazerun, but the prosecution last week l'accusation la asked passée, you whether vous the a demandé si DK leaders had les dirigeants discussed du Kampuchea démocratique or allowed the rebuilding of the destroyed pagodas la in Mandalkiri. Des pagodes détruites à Mandalkiri. My question to you is, Mr. Sahun, to your knowledge, est la suivante. À votre connaissance, has the American government ever offered que le gouvernement américain to reconstruct a jamais or rebuild fait une offre de reconstruction those pagodas that were destroyed by qui ont their bombardments? Été détruites suite à leur bombardement? Response. I think I stated about this already. Je pense que je me suis déjà exprimé là-dessus auprès des I have no further questions, Mr. President. Maybe my Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Peut-être Sonarun est-ce que mon collègue, Maître Sonarun, has any follow-up questions? No, désire so poser des questions. The new Chia defense team pas le cas. Donc, l'équipe de is ready with its questioning, but it does have a request related to poser ses questions, this mais witness. So is this a good moment to formulate that request, and it's really bon moment pour présenter une requête, a short request that would be appropriate to be made in this hearing because it relates directly to the memory and the sources of knowledge to of Mr. Sahun and the possible fallibility of his memory. It would be a two-minute submission. Possible, au niveau de sa mémoire. Il s'agirait d'une requête qui durerait de 2 minutes. The President, le Président, you're not allowed to do that. The chamber has already reminded donc you donc vous n'avez pas le time and again pas de le faire. La this chambre vous a déjà rappelé cela de nombreuses reprises. Mr. President, please correct me if I'm wrong, but my understanding was that if it relates to the questioning of the witness, it can be done in court, and I think it's only right for the public to know our concerns on the issue of the credibility of this witness, rather than relegating this to written submissions. So, considering that it's directly related to this witness, am I allowed to make that 2 minutes submission? Au témoignage du témoin, est-ce que je suis autorisé à présenter cette requête ou cette demande. The President. Le Président. No. Non. You are not allowed. Vous n'avez pas l'autorisation de le faire. You may now be referred to internal rules.
Je vous renvoie au règlement intérieur, règle numéro 92, concernant les... le dépôt de conclusion. Your request falls within votre demande the ambit of internal rule 92 partie, concerning the written submission couvert the par la règle 92, parties may up until the closing statement make written submissions soumises par les parties. Next, we would like to proceed to counsel for Mr. Kyo Sampan. À présent, if la they would wish to put questions à la défense to the witness, de Monsieur Kyo you may Sampan, now proceed. Si ceux-ci décident de poser des questions aux témoins. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai quelques Thank questions you, à poser Mr. aux President. Témoins et a priori, yes, je pense pouvoir I have some questions for the witness and peut-être les poser toutes avant la fin de l'audience. Monsieur le témoin, nous disposons dans le dossier witness, de quatre télégrammes qui sont signés de vous. Signed by you. Le texte vous en a été lu durant ces jours d'audience et je These n'ai pas remarqué que vous les avez contestés. During your testimony. Le premier de ces télégrammes est daté du 1er janvier 1978, code E3-248, et il est adressé, je cite, à l'attention du frère de M870, bien respecté et bien aimé. À qui s'adresse ce télégramme? Who is the addressee of this telegram? Réponse. Response. This telegram was sent to Pol Pot, fut envoyé à 870. Pol Pot, puisqu'il fait référence à 870. Le deuxième télégramme est daté du 9 avril 1978. C'est la code 201, barre de fraction 5.3. Et il est, il est plutôt envoyé, j'ouvre les guillemets, à l'attention du bureau 870 très respecté. Fin de la citation. À qui est adressé ce télégramme? To whom is this telegram addressed? Response. It was sent to the same person, Pol Pot. Il était adressé à la même personne, Pol Pot. Le troisième télégramme daté du 23 avril 1978, code E3, barre de fraction 155, est adressé, ouvrez les guillemets, à l'attention du respecté frère. Fermez les guillemets, même question, à qui est adressé ce télégramme? I put the same question to you. Who is the addressee of this telegram? Réponse. It was sent to Pol Pot. Il a été envoyé à Pol Pot. Et enfin, pour terminer, le quatrième et dernier télégramme, D201, barre de fraction 6.1, daté du 24 avril 1978, qui est adressé, ouvrez les guillemets, à l'attention du respecté Bang, fermez les guillemets, à qui est adressé ce télégramme? Who is this telegram addressed to? Réponse. The same person. À la même personne. The recipient of the telegram. C'est la même personne qui était le destinataire de ce télégramme.
Donc, monsieur le témoin, je peux comprendre que malgré la différence de formule de politesse introductive, ces quatre télégrammes étaient tous adressés à Pol Pot, c'est bien cela. All the four telegrams were addressed to Pol Pot. Isn't that the case? Réponse, yes. Oui. Vous avez répété à plusieurs reprises durant ces derniers jours que lorsque vous avez été secrétaire de la région du secteur 105, vous n'avez adressé vos télégrammes qu'à Pol Pot. Et je voulais vous demander qui vous avez demandé d'agir ainsi. My question to you is, who asked you to act in that manner? Réponse. The order was rendered from him, and I had to report. L'ordre venait de lui, et c'est à lui que je devais faire rapport. Pouvez-vous préciser de qui vous parlez? Can you be more specific as to the person you are talking of? Response. As indicated, I reported to Comme je Pol Pot, l'ai indiqué, the only person to whom je I reported. Rendais compte à Pol Pot, et c'est la seule personne à qui je rendais compte. Et c'est lui qui vous l'avait demandé, c'est bien cela? And he is indeed the person who asked you to do so. Isn't that correct? Response. Yes. Oui. That was part of the order, and I Cela had to do according to what I was des ordres qui m'avaient été donnés, et je devais suivre les ordres qui m'avaient été donnés, et je devais faire rapport quotidiennement. Et Pol Pot vous avait-il expliqué le motif and de did Pol Pot cette décision? Explain to you why that decision was taken. Response. I don't know anything about the decision. What kind of decision you're referring to? La décision. À quelle décision faites-vous allusion? Est-ce que Pol Pot vous avait expliqué pourquoi il souhaitait que vous n'adressiez vos télégrammes qu'à lui et à personne it d'autre? Was desirable that you address the telegrams to him and not to anyone else. But réponse. He was the head. Il était and I had to le chef. Report to him. Et je devais lui faire rapport situation. Even there was de toute to situation, on, quelle qu'elle soit, même s'il n'y avait rien basis. À mettre au rapport, je devais faire rapport régulièrement. Je voudrais vous lire, monsieur le témoin, maintenant I would now like to read out to you. Un extrait de la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs des co-juges d'instruction. C'est une déclaration que vous avez faite le 17 décembre 2008, qui a été citée à de très nombreuses reprises pendant votre audition, sous la cote E3/367. Et ce que je voudrais vous lire, c'est la transcription de l'audio de cette déposition, c'est-à-dire l'enregistrement sous forme de cassette, j'imagine, de la discussion que vous avez eue avec les enquêteurs du coprocureur. Il s'agit d'une transcription que j'ai sollicitée il y a quelques jours et que votre chambre a fait réaliser par ses services. Had it done Alors, by its services. Elle porte
la cote D125 barre de fraction 167.1 125 slash. Et je voudrais vous lire un passage qui correspond à la page 5, à peu près, je pense, de la version française de votre audition du 17 décembre 2008. Question de l'enquêteur. Question by the investigator. Vous est-il arrivé de recevoir des télégrammes de Did la part de Kyo Sampan? To receive telegrams from Kyo Sampan? Votre réponse. And your answer was pardon? I beg your pardon? Question de l'enquêteur. Question by the investigator. Vous est-il arrivé de recevoir des télégrammes de la part de Kyo Sampan ou de Yang Sari? From Kyo Sampan en ce qui concerne les affaires économiques, vous est-il arrivé de recevoir des télégrammes affairs, de la part Did you receive telegrams de Kyo Sampan? From Kyo Sampan? Réponse de Answer. Vous. Non, jamais. By you. No, never. Question. Question. Vous n'en avez reçu aucun. You did not receive any. Non. Answer. Mais je le voyais no. seulement quand j'allais à Phnom Penh. But I only et quand saw j'avais him à discuter avec I lui to des to affaires Phnom Penh économiques. And when I had to discuss economic affairs with him. Question. Question. Où l'avez-vous rencontré? Where did you meet him? Vous ne m'en avez jamais parlé. Et quand? You never talked to me about that. Réponse. And when did you meet him? Au Answer. Moment de la réunion. At the time of the meeting. Question. Question. Lors d'une assemblée? During an assembly. Vous répondez. And oui. You answered as c'était à la yes. sortie de l'assemblée. That was at the end of the assembly. Question. Question. Mais vous m'avez dit que la plupart But du temps, c'était Nguyen Chia qui parlait time, lors de l'Assemblée, jamais Kyo Sampan. And never Kyo Sampan. Non, vous Answer. Répondez, pardon. Non, lors no. des assemblées ou durant during l'ouverture des sessions de formation, Kyo Sampan ne parlait jamais. Of training sessions, Kyo Sampan question. Never spoke. Donc, vous lui parliez à l'extérieur so you spoke to him oui. outside of the assembly? On abordait Answer, les sujets yes. économiques. Oui. Discussed economic affairs. Question. Question. Vous lui parliez à l'extérieur, par exemple, Did pendant you speak un repas? To him outside of the meeting, réponse. For instance, during meals? C'est ça. Answer. Pendant le repas. That's it. On discutait. During meals, we had discussions. L'enquêteur. Investigator. Bon, je vais mettre donc lors du repas. I'll therefore réponse note de votre part. During d'accord. meals. Answer from you. That is correct. Question. Votre conversation avec Question. Lui se faisait-elle hors de la réunion? Did you hold your conversations réponse, with him oui. outside of the meeting? Answer, quand yes. j'avais besoin ou avais besoin, est-il écrit, de lui When demander quelque chose I ou lui soumettre une liste relative to aux affaires from économiques? Him, or to give him a list of Alors, points relating to economic j'arrête affairs. La citation, monsieur le témoin, et je voudrais vous demander Quoting your statement here, à combien de reprises, si vous vous en Tell souvenez, me, vous auriez eu des conversations on informelles avec M. Kyo Sampan how many au sujet des affaires économiques? Combien de fois cela est-il arrivé? Est-ce que affairs? Vous êtes en mesure de le dire how often aujourd'hui? Did that happen? Are you in a position to tell us so today? Response. Réponse. It was on one occasion only. Oh, c'était une seule occasion. Et à cette occasion, avez-vous And on that occasion, remis à Monsieur Kyo Sampan une liste Mr. Kyo Sampan de a list relative aux affaires économiques? Relating to economic affairs. Response. No, I didn't. No. We only Je ne l'ai pas fait. Nous avons seulement eu une discussion growing. Portant sur la croissance And des the meeting was, cultures. Conducted. Actually, I met him after Et je l'ai rencontré meals. Après un repas. Et
à une autre occasion, quelle qu'elle soit, est-ce que vous avez remis une liste à Monsieur Kyo-Sampan relative aux affaires économiques? Ate. Réponse. No, I didn't. Non. I did not give any list to him. Je ne lui ai pas remis de liste. Donc pour être parfaitement clair, monsieur le témoin, cela signifie que vous vous êtes trompé lorsque vous avez répondu aux questions de l'enquêteur ce 17 décembre 2008. C'est bien cela que vous dites aujourd'hui. 2nd of December 2009, on that 17th of December 2008. Réponse. I think je after pense having been seriously ill, I may have avoir été gravement malade, peut-être. J'étais un peu confus et que j'ai mal compris quelque chose, et je vous demande pardon si c'est le cas. Non, mais vous n'avez pas à me demander pardon, monsieur le témoin. You do not have je veux to juste savoir. I just want you to lorsque vous dites que vous avez été malade, vous parlez de l'époque à laquelle vous avez répondu aux enquêteurs. Des causes d'instruction d'aujourd'hui. Is that when you went wrong, or you are referring to what you said today? Réponse. I had been sick before I j'étais tombé malade avant mes entretiens avec les juges d'instruction, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas très bonne mémoire. J'ai tendance ces temps-ci à oublier beaucoup de choses. D'accord. Et votre témoignage aujourd'hui, c'est donc de dire que vous n'avez pas remis de liste à M. Kyo-Sampan relative aux affaires économiques. C'est bien cela? Mr. Kyo-Sampan any list relating to economic affairs. Is that correct? Réponse. Yes, it is. Oui, c'est exact. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. I have no further questions for the witness, Mr. President. The President. Thank you, counsel. Le président, and, je vous remercie, maître. Very little time left. Il nous reste très peu de temps. However, the chamber would like la chambre désire for Mr. Yingzeri cependant s'adresser au conseil de M. Yingzeri et lui demander de combien de temps il a besoin pour interroger ce témoin. Counsel Ang Odam. My sincere respects to venerable monks and Mr. President, Your Honours, and my fellow colleagues, mesdames et messieurs les juges, and chers collègues, in and the et toutes les personnes dans le prétoire et en dehors de ces murs. Good afternoon. I am Ang Odam. Monsieur le témoin, je vous souhaite un bon après-midi. Je m'appelle Ang Odam et à ma droite est mon collègue, Monsieur Michael Carnavas. Nous représentons Monsieur Yingzari. Nous n'avons pas de questions à vous poser. Cependant, nous tenons à vous remercier pour le temps que vous avez consacré au témoignage que vous avez fait dans cette chambre. Le président, je remercie le conseil de M. Yingzari pour avoir précisé votre position. Ceci nous aide à mieux préparer notre session de demain. Saosarun, Monsieur Saosarun, the
hearing of your testimony concerning case file L'audition de votre témoignage concernant le dossier 002 est arrivé à son terme et la Chambre tient à vous remercier d'avoir pris le temps de répondre aux questions qui vous étaient posées, quoique vous soyez âgé. Et que very good, but you've been votre very well. Mémoire ne soit plus très bonne, mais votre coopération a été like très bonne, cependant, et la Chambre tient à say that, we indiquer que do not need to, nous n'aurons plus besoin de vous entendre à nouveau sur cette question. Comes to an end, l'audience d'aujourd'hui will adjourn se termine now. Et and the next session will be resumed by tomorrow suspendons at pour 9 reprendre a.m. demain à 9h. In which TCW-488 will be heard. C'est TCW-488 qui sera entendu. With the Westu unit to ensure that Mr. Sao Sarun is well accommodated or sent to his resident. Puisse trouver un hébergement ou regagner sa résidence. Dans de bonnes conditions et que TCW-488 soit présent à l'audience demain matin à 9h. Security personnel are now instructed to bring all la the three sécurité va maintenant to the detention ramener les trois accusés au centre de détention to the et by faire en sorte qu'ils soient présents à l'audience à 9h du matin, sauf M. Yingsari, s'il indique clairement qu'il abandonne son droit de présence physique dans le prétoire. Et si cette demande est soumise avant 9h demain matin, la Chambre statuera sur la demande et lui permettra d'observer les débats à partir de la cellule de détention temporaire. L'audience est suspendue.